Alors, laissez-moi vous présenter mon atelier, Les chemins de la créativité. Je pense que ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est de développer notre créativité. Oh, il ne s'agit pas là de bricolage ou de dessin, encore que c'est très intéressant. Non, il s'agit là vraiment de connecter ces énergies créatrices au plus profond de nous-mêmes. C'est là que nous trouvons le goût de vivre et les racines de qui nous sommes vraiment. Alors, pour cet atelier, je me suis inspirée librement du livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Elle-même s'est inspirée des alcooliques anonymes et c'est pourquoi cet atelier se donne en 12 séances. 12 séances qui vont nous permettre de découvrir notre potentiel créatif. Ou si c'est déjà fait, de le développer dans notre vie quotidienne. Dans cet atelier, je vous propose d'aller au-devant des outils du développement personnel et de les intégrer dans notre vie de tous les jours. Tout en m'adaptant à chaque participant, je vous propose de travailler des domaines aussi différents que les blessures, ou encore l'enfant intérieur, ou encore et surtout la connexion à notre âme. Il n'y a là aucune connotation, ni sectaire, ni religieuse, mais bien un travail sur nous-mêmes et sur ce potentiel qui si souvent est en sommeil en nous. Quand nous cherchons à donner à notre vie un sens, des valeurs, c'est au plus profond de nous qu'il faut aller chercher. Et alors, il faut, alors que des fois ça peut arriver que ça arrive d'un éclair de génie, mais c'est très rare, le plus souvent, il faut s'armer de patience, d'outils, une pelle, et aller creuser dans la masse informe et grise. Et tel le chercheur de trésors, creuser jusqu'à trouver ce diamant enfoui au fond de chacun de nous. Alors, pour finir, je voudrais vous citer Julia Cameron. Arrêtez de vous dire « il est trop tard ». Arrêtez d'attendre d'avoir l'argent pour faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Arrêtez de vous dire « ce n'est que mon ego » à chaque fois que vous voulez une vie plus créative. Arrêtez d'avoir peur que vos amis, votre famille vous prennent pour un fou, une folle. Arrêtez de penser que la créativité est un luxe et que vous feriez mieux de vous contenter de ce que vous avez déjà, c'est-à-dire de vous résigner. Alors, en conclusion, cet atelier m'a profondément transformée et a transformé ma vie. Alors, pourquoi pas la vôtre ?